salut tout le monde, ça va ou quoi? Aujourd'hui, nouvel épisode. On est sur clairement l'épisode de l'année, peut-être. Peut-être bien, ouais. On va faire l'épisode des Sims 4, ouais. Alors attendez, je vais juste mettre le chat Twitch parce que j'oublie tout le temps de le mettre. Allez, découvrez votre rétrospective. Ah bah c'est bon, je peux l'avoir ma rétrospective. Appuyez sur le chat. Mon dieu. Vous avez autre audience 44. Waouh les gars, je suis trop fort. Nay. Voilà, je vais juste envoyer ça au gars. Voilà. Maintenant, je vais dire live Sims 4. Voilà, ensuite, je vais ouvrir le chat de Gypsy Rouge pour une alerte maximale. C'est le marin, je reçois moi sous la pluie là. Salut Paul, bienvenue. Comment tu vas? Pourquoi tu prends pas le tram, Paul? Paul, réponds, Paul, faut répondre, dis-moi. Allez. Aujourd'hui, on va faire Paul sur les Sims 4, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il raconte ce fils de pute? Paul, mais Pierre était un enculé, hein, c'est fou ça! Il me dépose pas devant chez moi. Ah, donc ça, t'as pris le tramway là. Pourquoi je suis pas en fenêtre sur les Sims 4, ça m'énerve! Pourquoi il y a deux musiques là maintenant? Il se passe quoi? Ah c'est bon. J'ai failli péter un câble. J'ai marché de la gare. Oui j'ai compris Paul. Je sers Minecraft en rentrant. Tu... Ouais c'est ça et puis après on joue. Préco. Tu connais. Tu connais mon ref. Alors... Mais attends mais... C'est chiant que ça se coupe la musique tout le temps là. Ok Paul, je t'ai sur une photo comme ça. Pour les photos de ton visage un peu plus proche, on va te faire bien. On va te faire en bien hein. Normalement j'en ai des photos de ta gueule sur mon téléphone. Vu qu'on est amoureux. Le fils de pute de Paul, il est où cet enculé de merde? Enculé de pute. Chien habite. Où qu'elle est ma chien habite hein. Là. Voilà, alors. Suceur ultime. Bon, qu'est-ce qui me fait chier là, l'auto avec ses stats de merde là? Pierre se casse pas les couilles. Bah, j'existe plus. Hein. Si je casse pas les couilles, à quoi bon vivre hein? Alors, poi. J'ai remonté les steps FF. Ah, j'ai fait là tout à l'heure, c'était. C'était vraiment le meilleur des moments de l'année. Alors, Paul, il a les cheveux un peu longs, mais pas trop quand même. Il a du miel aussi. Ça te correspond bien, Paul. Petite coupe de chienne qui suce. Ou ça. Ça, parce que t'as les cheveux un peu plus longs. Voilà. Ensuite le visage, le truc chiant, déjà la couleur de peau c'est... Comment dire? Et l'avant. Eh tu commences pas toi! Pourquoi t'as des yeux d'asiatique? Bonsoir, non il parle normalement. Alors, voyons voir la bouche. Bonjour. Je suis chinois là. Oh! Yeux de type français. Voilà. Tous ceux qui n'ont pas les yeux comme ça, ils sont pas français. Hein. Moi, je le dis.
Eh bien, c'est des visages qui... Visage, hein. Je sais pas ce que je fais là, mais ça marche, hein. Ah, Paul, il a un manteau, hein. C'est pas un manteau, c'est un menton. Déjà, c'est quoi ça, là? Des... Non, mais là, c'est trop grave, là. C'est pas ce qu'au niveau du visage, là. Non, mais là, j'ai tout niqué, là. Je suis pas convaincu par la coupe. Eh mais frère, c'est le premier truc déjà de la coupe. Tu veux ça, fils de pute? Ça, c'est la coupe de Victor, hein, pas vous mettre la même coupe tous les deux. Ta mère. Hein. Eh mec, t'as un menton de Tchad, hein, mon frère. Hein. Giga Chad, tu as le Riz. Hein? Le Rizzler. Ça, ce sera ça bientôt, Paul, avec le projet cheveux longs. Mets-moi le cheveu de noir. Est-ce que je peux mettre ton grain de beauté au visage là? Hey, regarde. Elle est là. Tigre à beauté de grosse pute. Y'a pas genre une petite barbe gentille. Ah, voilà. Le visage des cons. Enfin, moi que je travaille ça là, c'est parce que c'est plus possible. Voilà. Pourquoi c'est aussi carré ça, je comprends pas là. Mais t'as un visage de con là. La gueule. Il y a quelque chose avec le menton qui est atroce, hein. Wesh! Mais pourquoi il a la tête carrée comme ça, frère? T'es Steve de Minecraft, fils de pute? C'est des gros jeux bâtards. Hein. Oh, on dirait que t'as la mâchoire creusée aussi là, enculé. Ok, bien. On commence à avancer un peu. C'est long, hein. Non, franchement, comment ça ressemblait à Paul, hein? Non, le nez, il est vraiment plus remonté déjà. Peut-être on est plus sur un nez. Un nez gros. Ok, le nez. Vraiment en termes de. C'est un triangle le nez. C'est un triangle isocèle. Le nez qui va bien, lui il va bien.
Un nez de type nez. On avance, hein, les gars. C'est beaucoup de concentration, beaucoup de travail hein, pour faire un visage de la sorte. Hein. Je rappelle qu'il est quand même très moche, donc. C'est pas quelque chose qui est évident. Putain, c'est dur. En fait, j'ai fait de la merde au début avec le menton là. Menton de con là. Donc alarme subatomique. Ouais attends là je l'ai bien là. Et déjà mais ça c'est quoi ça là? Se passe quoi? Mais gros je sais pas t'as des bajoux là frère c'est bizarre. Yo Pierre salut bienvenue comment tu vas depuis tout ce temps? En train de modéliser les épaules, mais là il a un problème de visage. Parce qu'il est très difforme en fait. Bien rentré. Oui, on se demande. Hein. Et c'est là, là. C'est trop chelou ici. Là. Voilà, rentre-moi ça par pitié. Faut que je fasse le mode modification en fait. Super, et eh ben tant mieux. On te le souhaite, hein. Voilà, merci Seigneur. J'ai encore fait un caca vert bizarre. Et eh bah ben, le caca radioactif. Est-ce que ça m'étonne? Il y avait la bouche aussi qui jouait. Hein. Une petite lèvre de salope qui suce. Hein. C'est pour se faire sucer la bite hein, tout ça. Hein. J'aime ça. T'aimes ça sucer? Gros, mais ces gros joues là, enfin, ces gros trucs qui tombent là, frère, on dirait un putain de hamster. Putain, mais j'arrive pas, ça m'énerve là. J'ai fait trop de la merde au début là. Bah c'est pas mal là. Surtout j'en ai un peu marre là. Non mais... Crimbo. Voilà, hop là le gros sac. Il aime trop ça.
Ensuite, Paul, il s'est dit comment pull pull veste qui est en veste et qui ressemble à Paul. Non, mais il faut le fameux pull à fermeture un peu haute là. Un peu col montant. Un peu le col montant, un peu sport, un peu Dickies. Si on a ça, on est bon. C'est un peu ça, mais pas trop, quoi. Péter des enculés. Ah, l'arme. Il est vraiment gros le ventre là. Attends. Voilà. C'est. Hein? Gourmandise. Putain, y'a pas de truc. Attends, faut que je t'imagine. Et je vois ce que tu pourrais porter dans tout ça. Ça en rouge en mode Reebok, mais bon. Ah, ça, ouais, puis c'est vrai qu'il soit blanc pour faire un truc Reebok. Je te mettrais bien ta casquette, mais bon, je sais pas. Non, on va mettre son casquette quand même. Ça c'est pas mal hein. On dirait toi hein, à la salle de pause là. Ça en bleu. Comme ça. Et les chaussures, des baskets. Les monarques. Truc un peu comme ça, comme les New Balance. Je sens qu'il a t'as des vagues au doigt. T'as des chevalières. Eh, désolé, mais là, on y ressemble, hein. On y est, hein. Je suis désolé, mais. Attends, voilà. My bad, hein. My bad, I guess, hein. C'est bien ça! Le jeu qui m'aide. Location serveur Minecraft. Ah, il faut louer le serveur, hein. Ah, tu as un tatouage maintenant au bras. On va te le mettre maintenant. Attends, quoi? Poil de dos, poil de jambe, objets médicaux, détails de la peau, tatouage. Ah voilà. Un tatouage à l'avant-bras. C'est ça, hein, franchement, c'est ça. Putain, mais c'est de la merde! Arrêtez de quitter le truc. Ah, j'ai rien à dire, c'est ça. Ah, il est poilu l'enculé, regardez-le. C'est que tous les autres sont imberbes en fait. Alors, habillé jeune costard élégant en vitesse. Voilà, mon Paul. Dress to impress. Tenue de sport. Et bah. Ça avec un petit t-shirt. Un petit t-shirt sympa. Un petit t-shirt de rock là. Ouais, ça c'est bien rock'n'roll ça. Voilà, rock'n'roll de fou là. Et là, les poils, hein, ça y va, hein. Alors, il dort comment, Paul? Il dort en calebar?
moi je vais mettre un slip. Oh, je me mettrais tellement slip, moi. Les flammes de l'enfer. Attention, Polo, hein, ça y va. Hein. Oh, un petit chat de geek de fou. Oh, let's go. Soirée, comment il s'habille, Paul? Oh, le t-shirt de foot. Tellement. Tellement ça. C'est un petit pantalon sympa. Voilà. La tenue de soirée pour Paul. Franchement, décontracté. Tout en restant chicos. Petit maillot de foot parce que voilà, on supporte l'OL malgré tout. Hein. C'est normal. Maillot de bain, maillot de bain. Hein. T'as eu. Il fait chaud. Alors il fait chaud. Paul, il s'habille comment quand il fait chaud? Petit short décontract. Pantacourt short. Petit short un peu. Un peu stylé, t'as vu. Sans trop de prise de tête. It's an ass. My bad. Adam. Oh, dans le fut, le t-shirt. Putain, mais ils sont tous moches, ces t-shirts. Bah, il adore la montagne, Paul. Allez, hop, c'est vendu. Et là, on va te mettre ta doudoune, du coup. S'il y a... Y a pas, hein. Il fait froid, c'est bizarre. Bah, on va te remettre ton pull. Hein. On va remettre les vêtements d'avant. C'est quel avant? C'était ça. Ils veulent pas que je mette de casquette. D'accord. Maquillage de pute. Ça ira. Alors, Paul, il veut quoi, Paul, dans la vie? C'est ça qu'on se demande, en fait. Pro de la pêche. Ah, ça m'intéresse. Pourquoi pas pour de la pêche, roi des bêtises? Ah, parce qu'il est malveillant, hein. Ennemi public. Ah, voilà. Ce sim veut se faire des ennemis et devenir un criminel célèbre. On pourrait y être. Romantique, bah ça, Victor, il est déjà dessus. Nourriture, petit bout déjà dessus. Culturiste. Confident du quartier, ami de tous. Fêtard, as des blagues. Fortune. La richesse, le peintre, génie de la musique, descendance qui réussit, grande famille heureuse, ou génie de l'informatique. Ah! Alors, moi j'hésite entre pro de la pêche, ennemi public, ou génie de l'informatique pour Polo. Attends, mais il a des boucles d'oreilles. T'as pas de boucles d'oreilles, Paul? Qu'est-ce qu'on lui met, les gars? Qu'est-ce qu'on met à Polo? Déjà, on va lui mettre ces trucs-là. Voilà, glouton. Ah,
Malveillant. Oui. Let's get it. Et pitre joyeux. Un peu un pitre, hein, Paul. Hein. Sur de toi, Paul. Je vais le mettre ennemi public, je pense. Hein. Ennemi public, ça donne quoi? Qu'est-ce que t'as comme musique? T'aimes bien la... Le rock. Couleur, le rouge du sang. Activité, jeu vidéo. La pêche, oui. Malice. Et le bricolage. Alors du coup, ignoble et subjectif réalise des interactions méchantes, plus puissantes et plus efficaces. Non, vas-y, on va le mettre ça. Paul. Allô. Je peux écrire ou bien... Ah, je suis pas branché. Attends, mais si, mon clavier est branché, je suis con. Attends, mais quoi? Je peux pas écrire. Démarche virile. Démarche dynamique. Ah, c'est bon. Ah non, ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Oh putain, j'ai Paul, je l'ai vu. Paul. Voilà, je peux pas changer. Ah si, attends. Paul, Paul Fournier, Paul Petit, Paul Legrand, Paul Moreau, Paul Mercier, Paul Morin, Paul Fontaine, Paul Bertrand, Paul Guérin, Paul Blanc. On va t'appeler Paul Blanc, hein. Je suis désolé, mais on peut pas. Comme tu peux le voir, je n'arrive pas à écrire. On s'y met sûr de toi, Morose. Jim. Ah, dans la nature. Non, mais c'est bien ça. Allez, Paul Blanc, tu vas rejoindre la famille Mieille. Paul Blanc, rejoins les Mieilles. Il est là. Il est là, la salope. A rejoint l'équipage. Ah, le PC marche plus là. Enfin, Thibaut a, on s'est arrêté dernièrement à Thibaut qui avait essayé de faire un enfant. On sait pas s'il a procréé ou pas, si ça a avancé. On sait pas si le sperme est bien rentré dans le vagin de la dame. Pendant ce temps, la Berry, toujours au top. En termes d'artistique, on est bon. Il faut qu'elle fasse des toiles émouvantes, mais je ne sais pas comment faire. Vous pouvez créer certaines toiles spéciales lorsque vous ressentez certaines émotions. D'accord. Il faut qu'elle soit émue par quelque chose. Ça, on verra ça plus tard quand elle sera émue. Par exemple, Elsa, elle est émue, elle veut se faire tringler. Elle va prendre une douche tout en étant bien excitée comme il faut. Et Thibaut est sur le PC et il faudrait qu'il répare l'ordinateur. Est-ce que remplacer 2000 euros? Non, 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 non. On va contacter le service de réparation. Ah, je voulais refaire l'amour, moi.
Bon, ta gueule, Berry! Y'en a un qui veut Ken là! Incroyable d'être aussi chiante! Berry nous fait chier! Mais ta gueule, toi! Tuto de merde là! Je vais pas désactiver les tutoriels là, c'est trop chiant! Bon, alors, Paul, tu fais quoi? Il veut baiser Paul aussi? Tiens, bah, fais connaissance avec Berry un peu là. Discutez un peu des centres terrés et des coins de pêche. Embrassez les mains. Calmez-vous, monsieur. Voilà, l'autre tiers baise. Mais c'est pas un cutard, ce qui paraît, hein. Bref, j'ai tout dit. S'il te plaît, le bébé. Je veux le bébé de Thibaut, je veux le voir. Je veux le voir, je veux tellement le voir, son bébé. Il est trop moche. Je suis mort. Alors ? Bon là, si il est pas enceinte, là, il y a un problème. Hein. Il a fusillé deux fois de suite. Hein. Alors attends, j'aimerais faire un truc. C'est un peu chiant, hein. Mais bon. C'est faire une extension de la maison. On a l'argent pour, vu que Pierre s'est installé avec nous. Paul, pardon. J'ai confondu, les gars. Je l'ai fait aussi. Attends, je vais prendre ces fenêtres là. Je vais les mettre là. Voilà. Ensuite, hop. Voilà. Tac, ensuite on prend le toit. Et on l'étend. Faut que ça dépasse un peu. Je pense, oui. Ah, c'est bien là. Voilà, bah, la maison est clairement plus grande là d'un coup. Hein. Et ça ferme sa gueule là. Hein, les salopes. Hein. Il se passe quoi là? Pourquoi je suis pas là? C'est une dinguerie. Mais pourquoi je peux pas la mettre sur la même. Le jeu il est problématique, hein. Oh, attends, c'est pas centré là. Ok, je vais mettre ensuite. Je vais faire des chambres, hein, les amis. Hein. Juste faire des belles chambres séparées. Là, on a le couloir ici. Ok. Ensuite, je vais mettre une porte ici. Ça rentre pas? Si, ça rentre, génial. Tu sais quoi, j'ai même pas besoin de porte en fait, jusqu'à ces murs là. Quoi? Ah d'accord, faut que je mette un mur, c'est pas intuitif ça. Hop, et là, on met la clôture en bois et on peut passer. Voilà, je vais mettre le même sol. On avance, tranquillou. Je vais mettre des fenêtres aussi, dans le couloir tout de même, parce qu'on n'est pas des monstres.
Là. Si on pourra mettre des choses ici, je sais pas ce qu'on pourra mettre dans ce couloir, mais... sans doute des PC, on peut faire une gaming room. Hein? Hop là, là on centre. Tac. Et tac. Ensuite, on se fait de la petite... Y a pas des maisons, des trucs en pack, je crois. Genre là, ah oui, voilà. Chambre en pack. Celle-là, elle est très bien, ça. Il faut une chambre pour énorme baiser. Rêve du futur, elle est bien celle-là. Ah, celle-là, elle est pas mal. Hein. Voilà, ça. C'est la fuck room, d'accord. Ah, c'est bien ces petites chambres en kit là. On peut faire ça vite fait, bien fait. Oh, le tapis de fou. Il est immense. Ça passe là? Ici, je mettrais bien une petite lampe. Lampe ici. Éclairage. Voilà. Donc ça va être la chambre à qui ça faut qu'on s'y attribue après un moment. Hein. Est-ce que ça va faire des histoires, je le sens, cette histoire. Cette histoire que ça va faire des histoires. Ouf, purée. Allure royale, bonsoir. Sommeil moderne. Allez, comme ça, ici, là. Vendu. On va changer un peu d'architecture. On va mettre l'entrée ici. Voilà. C'est quoi ça? Ah, là c'est lumineux là, tu vois. Quoi ici la déco décoration. Hop, on peut mettre une petite armure de chevalier ici à 8000 balles. Ça ira, celle classique, ça ira. Porcelaine. Putain, c'est petit ces trucs hein. Fontaine, mais là c'est immense par contre. Oh non. Mais non. Mais non. Je vais péter un câble. Y'a gros goût. Y'a gros goût. C'est le meilleur jeu du monde, Bonsoirs. Une petite plante, ouais, c'est bien ça. C'est un peu petit par contre. Trop petit. Trop petit. Mais attends, mais. Mais tu es trop petit! C'est immense. Ça m'a fait énerver. Ah vraiment. Ah c'est moderne hein. Oh je mettrais bien une télé sur le mur carrément tu vois. C'est ce que je dis ou pas. Bonne chose.
Ah, mais ça va pas être centré, ça va me frustrer énormément la beat. Je peux mettre ça, mais bon, c'est pas dingo quoi. Meuf de télé, y'a. T'as ça? T'as ça toi? C'est blanc ou c'est beige? J'ai beige un peu. Ah, c'est bien comme ça. Ouh, la télé de fou baiser. Ah, télé de maxeur. Hein? Attends, mais ça va centrer là, si? C'est bien centré là. Mais j'aime pas la couleur du de ça. Ok, voilà, là ce sera vraiment la chambre stylée. Un peu stylée, tu vois. Voilà, mais c'est génial, on a tellement plus de place d'un coup. Oh, c'est bon, il a baisé, lui il peut appeler les choses. Oui, il y a gros goût là. Voilà la maison maintenant à quoi elle ressemble, elle est vraiment plus grande. Très bien comme ça. Le réparateur arrivera lundi à midi 1. Putain, mais ils sont très rapides ces réparateurs. Attends, mais il faudrait une. Ah non, c'est bon, on a une salle de bain. Mais sauf que la baignoire, ça me casse les couilles. On va se mettre une petite douche en vif. C'est très bien. Voilà. Parce que bon, comme ça, on n'aura pas de problème de Thibaut qui se masturbe dans la baignoire. Voilà. Donc voilà un peu les chambres que j'ai mises. Il y a celle-là qui est sympa et celle-ci avec une télé pour se détendre. Donc voilà, il y a Paul qui parle avec les deux femmes. Un nouvel alpha qui arrive dans la maison. Wesh! Tiens, il est taré lui aussi. Hein. Il est malveillant en fait. Donc il faut qu'il soit ennemi public, donc il faut qu'il soit peu apprécié par deux sims. Réaliser 10 interactions malveillantes ou malicieuses. Mais est-ce qu'on fera ça sur les amis? Sans doute oui. Ce sera l'enculé de la maison quoi, si je puis dire. Pour le moment on est 6 dans la maison, ça le fait. Il fait quoi le réparateur là? Ils sont censés venir. Elsa va complimenter l'apparence de Paul. Non mais elle, si elle se fait pas toute la bande, c'est quelque chose, hein. Hein? La chienne. Il fait une sieste, lui, le con. J'espère qu'il va avoir un enfant, le Thibault, là. On a fait tout ce qu'on pouvait pour la mettre dedans. J'espère que ça va transformer l'essai, quoi. Ça, je vais mettre une plus grosse scellée, hein. Ça commence à me casser les couilles, ça. Voilà. Ah, prison. Oh, oh! Je vais adopter un bébé, quoi? Alors, attends, c'est très chelou parce que Thibaut vient d'essayer de lui faire un enfant deux fois. Et là... Ah, merde! Merde! Attends, mais du coup, ça... Comment je fais? Merde. Mais c'est tout là, j'ai pris le coche là ou pas? Non mais faut qu'elle jette son bébé là. Les gars, Thibaut est dans la merde. Elle a adopté un chien. Est-ce que faut lui demander d'emménager, vous pensez? Ce qui me fait chier, c'est qu'on doit s'occuper d'elle aussi, tu vois. Parle-moi.
Attends, embrasse-la. Voilà. C'est bon, je suis bon, putain, il m'énerve. Oh, il m'énerve même dans le jeu, là, fils de pute. Bon, après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut toujours la tuer, hein. Mais prends les nouvelles de Summer. Dis-moi, dis-moi ce qui se passe. Oula, elle est enceinte. Elle est enceinte, elle a mal au ventre, elle vient de le faire. On sait pas trop, hein. On sait pas trop. Bon, allez faire l'amour et allez dormir. Voilà. Saken, c'est bien. Même pour les affaires. Après, mais il va discuter. Mais va dormir, gros. Tu nous fais chier, là. T'as vraiment, il l'a appelé, il l'a enculé, puis il est reparti, quoi. On voit la bite! Oh, elle est si belle! Arrête ces blagues. Hein. Je connais une qui va se faire trancher. Oh, elle vient de vomir, elle vient de vomir, j'ai entendu! Elle est enceinte! Elle est enceinte! Let's go! Thibaut va être père, les gars! Attends, mais elle a adopté un gosse, la conne, et là, maintenant, elle va mettre au monde un autre. Comment elle s'entend avec elle? Connaissance. Ouais. Va parler un peu avec Elsa, Paul. Oh. Les amis, c'est le moment que vous attendiez tous. Par rejeter la bienveillance. Oui, oui. Ah, mais il se casse, il a pas aimé. Elle est inspirée, vas-y, fais des toiles inspirantes là. Oh, c'est joli ça. Bravo, Berry. Magnifique. On va mettre ça là. J'aime pas le fait que les fenêtres sont pas centrées, mais bon. C'est par rapport à la maison. Je vais faire ça aussi. Ah, mais casse-toi, Paul, là, il nous fait chier, lui, hein. Je voulais acheter une grande table. Voilà, là on pourra accueillir tout le monde. Parce que là il commence à y avoir du monde à accueillir justement. Non mais attends. Voilà. C'est bon, tu peux manger Paul. Ça fait vide un peu ici. Je vais mettre la bibliothèque là. Ah non, mais ça a caché la fenêtre. Ah! Je peux mettre quoi? Couteau. Ouais. Le carnet. Oh, c'est le livre de Johan! Ici, c'est le livre de Johnson. 375, hein.
Le même prix qu'il l'a acheté. Hein. Cet enculé de merde. Attendez, je déteste les trucs mal centrés. Voilà. Le catoche. Ah! Eh bien, les amis, David a eu une promotion. David réussit dans le monde professionnel. Et franchement, rien que pour ça, on peut l'applaudir. Bravo. Et Travis Thibault commence environ une heure alors qu'il va être futur papa, hein, je rappelle, les amis. Alors, il est fatigué, le David. Eh bien, va te coucher, mon frère. Va te coucher, nous fais pas chier. Hein. L'heure de... Il va se coucher à 17h. Ça me semble être une heure raisonnable pour David. Il reprend une douche, lui, mais il est baisé, hein. Oh non, mais sérieux, putain. Elle répond à ça, le con. Ils adorent Berry. Mais est-ce que Berry peut... Elle peut toujours pas dormir avec Elsa, en fait. Ouais, faut qu'elle soit vraiment ensemble pour dormir... Dans le, pour eux, les Sims peuvent pas dormir ensemble tant qu'ils ne sont pas amoureux ou on fait le sexe, quoi. On en est là, hein. C'est, ça m'énerve. Bravo, Paul, t'as bien réparé. Allez, Paul va emmerder des gens, j'ai envie de te voir un peu à l'œuvre. Oula, putain! C'est la cible parfaite pour Paul. Je vous dirai pas pourquoi. Non mais c'est bon, va pas nettoyer, frère. Au moment de faire du... De t'embrouiller, frérot. Faut le faire. Tiens. Attention, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Promu au poste de forçat du code, bravo! 506 simflouz et un disque dur d'ordinateur. Tu es le meilleur joueur, Victor. Tu as une carrière lancée. Ouais, il pue et il pue de fou, quoi. Prends un bain et va dormir, gros. Taré, lui. Un peu comme ça. Bien. C'est bien un développeur, lui, hein. C'est tout ce que je veux dire. Mais arrête de vouloir prendre des douches. Mais qu'est-ce qu'il a pour lui prendre tout le temps des douches, lui? Mais y'a rien qui le force à prendre des douches tout le temps. Alors, attends. Allez, fais des trucs malicieux, mon frère. Discuter de projets maléfiques, mentir sur la carrière, oui. Donner de fausses mauvaises nouvelles, énorme. Inviter à une fausse soirée, ça, il serait vraiment capable de le faire, Paul. Parce que cet homme est un monstre, en fait, si vous l'avez pas compris, en fait. Effrayé, ouais. Befete Shimagra, Jawada Blindi, Seneke. Thibaut, tu retournes au taf, fils de pute! Eh ben oui, il faut aller au boulot, Thibaut! Ah putain de merde, ça fait chier, je n'ai pas mon réveil! En colère! Il est trop heureux parce qu'il est malveillant, hein, cet enculé. Hein. Qu'est-ce qu'il fait, la pute? Ouais, remue ça. C'est bien ce que tu fais. Voilà, Thibaut est méchant avec cet homme parce que il a un t-shirt vert. Ah,
Assieds-le, voilà, voilà. Donne-lui une tarte à cet enculé, voilà, ça t'apprend, ça lui apprendra à venir chez toi. Te faire chier là. Oh, oh non 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 non. On commence, on commence. C'est bon. Ok, donc là, il est peu apprécié par cet homme qui est Marc. Voilà, ils sont rivaux directement, un rival alors qu'il vient d'arriver. Ensuite, on peut agresser bah, elle, tiens. Ça me semble être une bonne cible également. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Aïe, ah, il s'est fait pincer le doigt. Bon, ça va aller. C'est parti, la deuxième personne de couleur. Bravo, Paul, bravo. Allez, on va refaire des bêtises avec elle. Elle arrive pas à mettre de tarte, hein, ce gros nul. Hein. Prétend être un génie criminel. Voilà. Embarrassé. Non, mais t'inquiète pas. Aie confiance en toi, Paul. C'est un enculé fini, c'est tout. Assume. Elle a fini sa peinture, elle, Berry. Ouh, chiche, c'est beau. Et, mais c'est pas une toile émouvante, ça? Ok. Quand elle a inspiré, ça marche pas. D'accord. Ça vaut combien, ça? 210. Ouais, ouais. Bon, on va la mettre quand même dans le couloir, tiens. Ici. Très sympa. Du bon boulot, ça, Berry, encore une fois. Petite toile pop art. En fait, il faudrait qu'elle soit émouvée, émotive. Comment la rendre émotive? En lisant des livres, peut-être genre romance, science-fiction. Je sais pas si ça peut faire quelque chose. Alors, ça peut la rendre joueuse, et du coup, peut-être... il vaut mieux de faire des bêtises en termes de peinture. Allez Céline, on va encore la railler, on va l'insulter, hein. Vraiment, il faut vraiment qu'elle ne soit plus notre amie. Demandez à Céline quel est son problème. Mais c'est bon. Malveillance Max, se battre. Tape là. Un poil, il est malveillant. Ça se fait... Quoi? Ouh là là, mais même Berry a un intérêt pour Paul. Ah, je crois qu'il a perdu la bataille. J'ai perdu la bagarre. Ça se fait bon. Bon, allez, va faire le repas du coup, frérot. Servir le dîner, sandwich au fromage fondu. Très bien, ça. Elle est joueuse, elle est très joueuse, ok, c'est bon. Elle est très joueuse, maintenant, peut-être que, voilà. Toile enjouée. Ok, c'est bien, c'est ça qu'il faut. Génial, 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 on avance les amis. Tiens, John se réveille et il y a à manger qui dirait directement de fait. Oula, il va se chier dessus, le pauvre. Il va pisser. Ne fais pas chier. Quel con, lui. Moi, biche. Ouais. Oulala, là là, la rencontre. Oh non, il veut même pas lui parler tellement il est. Oh, il est tellement homophobe, il veut pas lui parler. Oh l'enculé, il a snobé.
Alors David, ta réaction à chaud? Attends, mais elle a pas fini la conne. Ah si, c'est bon. Toile émouvante. Et bah ça, tu vois, moi je vois ça, je suis ému comme pas deux, quoi. Waouh. Ça dénonce en plus. On va faire une galerie d'art à force, avec toutes ces peintures de Berry magnifiques. Quel artiste. Dort toujours dans son putain de duvet de conne. Du coup, c'est dit quoi le taf? Il faut qu'il fasse de la guitare ou du violon, le con. Merci Seigneur pour ce cadeau. La cuisine, faut faire quelque chose, hein. Elle est un peu nulle à chier. Je crois que je regarde un peu ce qu'il me propose comme alternative, un peu. Ah ouais. On n'a pas l'argent pour ça, quoi. Mais franchement, on a quand même pas mal de personnes qui travaillent. Elsa, elle est au boulot. Elle va bientôt avoir sa promotion de vendeuse à l'étage des soldes. Elle fait 40 dollars de l'heure. C'est quoi les salaires de chacun là? 35 dollars, 36, 47. Et Véry, bon, elle est à son compte, donc elle vend des peintures un peu comme ci, comme ça. Donc c'est Victor qui gagne le plus d'argent. Il faut qu'il fasse la programmation, Victor. Déjà, quand il va se réveiller, il va se prendre une petite portion de grilled cheese. Et peut-être aller faire pipi avant, peut-être. Du coup, il y a des lits dispo ici, hein. N'hésitez pas, les man. T'as déjà, pourquoi tu dors là, Paul? Tiens. On va dormir là. Thibaut a bien bossé, c'est bien, bravo. Mixologie, il faut que tu prennes un point, mon petit Thibaut, tu vas t'entraîner. Johnson, qu'est-ce qu'il fait, Johnson? Pourquoi il est malicieux, cet enculé? Il a insulté des gens sur Internet. L'enfoiros. Guitare ou violon? Putain, pourquoi il va faire la guitare, ce fils de pute? Vas-y, mais gros. Va faire des blagues plutôt, fils de pute. Victor qui dort à côté. Je cherchais des M&M's, ça. Elles sont bonnes les M&M's au caramel. Du miel, hein.
Bon. Bravo. Bravo Thibaut. Attends, jette-moi ça, c'est de la merde. Et c'est une dinguerie, mon frère. Une dinguerie. Pas perdu. Oh ouais. Thibaut, il régale, hein. Fais bien manger, voilà. Ah, il y a un goût désagréable. Mange de la nourriture, me l'a préparée. Eh ben, bravo. Oh oui, il flambe. Ah, il est trop con. Personne ne l'aime. En colère. Ah, Victor, il a su dessus. Mais comment on dit, c'était de la merde ton spectacle. Ah, ta gueule. Bravo. Bravo, David. Putain, mais parlez un peu entre vous là, je sais pas, soyez potes là. Thibaut, fais un effort, fais un effort. Non, non, non. Non, non, Thibaut. Tu vas pas esquiver. Prends des nouvelles d'Elsa, voilà. Tu la connais même pas, Elsa, regarde. C'est une connaissance pour toi, Thibaut. T'es une merde. Tu penses pas baiser. Simba Wange, Orbitani, Pinaru, Jasper, Tomba Mama, Ruthé. Mais qui est vraiment pote dans la bande là? Victor est pote avec personne. Johnson c'est même pas un ami pour lui. Victor veut juste baiser, regarde. Intérêt, intérêt, intérêt. Elle, ils veulent enculer alors qu'elle est mineure, je rappelle. Bravo. Ah, Johnson est ami avec Elsa. Pas avec Berry par contre. Et Elsa, bah. Berry et Johnson. C'est Elsa qui est le plus ami. Bravo Elsa. Franchement bravo. D'ailleurs, Elsa, ses objectifs. Putain. Devenir bonne amie. Hein. Il va falloir farmer ça. Hein. T'es devant lui. Tu manges trop vite, Poy. Oh, ta gueule. Moi, je propose que tu continues un peu à parler à Nancy quand même, Victor. Peut-être elle t'a un peu trompé. Et encore, elle doit rien, tu vois. Vous étiez en soirée tous les deux. Ça arrive à tout le monde de, voilà, de divaguer un peu quelque part. Tu veux pas lui en vouloir jusqu'à ne plus lui en parler. Donc c'est ta seule chance de baiser une 10 sur 10, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Quand on rentre du boulot, tu vas la baiser, mon frère.
Non, 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 mais tu vas être tout seul. Yatsu, Yakinarb. Sale con, moi. Qu'est-ce qu'il pourrait Berry, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire faire? Alors, enjôleur. Est-ce que ça va changer de d'attitude ça? J'ai envie qu'ils soient tous amis en fait, c'est... Faut vraiment qu'ils... parlent plus quoi les frérots. Vous avez 24 heures pour payer vos factures avant que tout ne soit coupé. La compagnie d'électricité Plenosas. Mais attends, mais Plenosas c'est la... C'est la meuf de Victor. Oui. Oh mon dieu. Ça veut dire que Victor peut peut-être baiser Nancy pour avoir l'électricité gratuite. C'est où Paul? Paye les factures, Paul. Oh, mais ça coûte hyper cher. Comment je fais pour payer mes factures, du coup? 1866 plus. Mais c'est énorme. C'est tellement cher. Hein. C'est bon? Mais bon. On a rejoint la carrière criminelle pour Paul. C'est quoi, tous vouloir prendre des douches là, c'est des baisers hein. Oh, le métier de rêve pour Elsa, ça. Ça, un criminel. Attends, quoi? Branche professionnelle, patron et oracle. Victor, ton métier. Il faut qu'il fasse des interactions malicieuses pour avoir des promotions. Mais après, ils veulent tout le temps prendre des douches, fils de pute. Toi, faudrait que t'ailles voir un peu comment elle va ta meuf, Thibaut. Hein. Prends une douche, mais pourquoi? Ça commence à me faire péter un câble, là. Le jeu est bugué de fou. Voilà. Les petites choses malveillantes de la journée. Victor crée du code à la vitesse de l'éclair lorsqu'il est soudainement transféré à un poste pour lequel il n'a aucune expérience. D'accord. Doit-il se manifester et demander une formation ou s'ébrouiller avec le livre qu'on lui a remis? On va demander une formation. De toute façon, les formations, les gars, c'est important. C'est pour ça qu'il faut y aller tous les jours. Moi, j'en ai une, mais je n'avais pas vu. Donc, j'ai pas pu y aller. Mais franchement, c'est important. Bravo à Victor d'avoir osé demander de l'aide. Malheureusement, personne n'a le moindre idée de ce qu'il faut faire, y compris ses responsables. Et celle-ci préfère voir Victor se planter plutôt qu'elle. Ah, bon bah super. Il faut faire des trucs malicieux et pas malveillantes. Voilà, on est malicieux. Voilà, c'est bien, c'est bien. Tu bosses bien, mon frère. Ok.
Ta gueule, Berry. Arrête de vouloir sauter dans la poubelle, je pète un câble. Casse-toi, voilà. Fais plutôt une peinture. Voilà. Ah, et Summer va venir. Est-ce qu'elle est enceinte? Elle est enceinte! Ah, ça se voit, elle est enceinte là. Oh, qu'est-ce que t'as vu, Thibaut? T'as vu quelqu'un tout nu? T'as pas aimé? Demande à Summer d'être assurée, c'est ton amoureuse. Ok, 3 sur 4, bravo, bravo. Prends une douche. Oh, j'ai pété un câble, fils de pute. T'es au max de la douche, fils de pute, ta mère. Promotion pour Elsa. Bah oui, assistante à la clientèle, bravo. De toute façon, Elsa, tu vas devenir influenceuse, hein. Je suis bien désolé, mais c'est ton avenir. Hein. Donc, eh bien, fais des stories. Juste spammer, hein. Sortie du boulot. Je monte les escaliers. Je suis rentré dans la salon. Photo, photo, photo. Tu as été rassuré? Sans lien intime. Oh, mais non, mais c'est trop mignon. Mais est-ce que... tu peux lui... pourquoi elle t'annonce pas que... Oh, fais-lui un massage à ton amoureuse. Elle entend un cher. Regardez-le. Oh non, mais ils sont trop mignons, franchement. C'est génial. T'as pas fait tes interactions malicieuses de la journée, Paul. Allez, on en refait. Ouais, va vomir. Mais on va devoir les marier, hein, s'ils ont un enfant. Enfin, limite, j'aurais lui proposé de rejoindre la maison, au moins. Mais après, si elle a le bébé et qu'elle la garde pour elle... Demander d'être partenaire de Crack Crack. Ouais, mais là, c'est plus que ça, Thibault, là. Là, tu l'as quand même mis enceinte, quoi. Demander d'avoir un bébé pour être... Mais non, mais tu... Elle est enceinte, tu comprends pas ça, Thibault. C'est assez dingue de ta part, d'ailleurs, mais... Proposer un massage... Il assume plus... Mais ouais, t'as vu? Action? Non. Alarme! Ah! Demandez de rejoindre le foyer. Les amis! Tu vas le délaisser, chien chat? Je crois pas. Mais elle a bien un bébé, elle a adopté un bébé, la pute! Non, non, c'est mort. Eh, non, 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 Summer. La con, là. Non, 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 c'est mort, on veut pas ton chien. Hein. Il va plus loin, celui-là. On a bien de trop. Hein. Bienvenue, Summer! La WC dans chef. Ah, mais putain, mais la même taf que l'autre con. Non, mais démissionne, hein. Tu seras la salope à baiser, toi. Mais elle, on peut pas la mettre en autopilote parce qu'elle va me faire chier. Thibaut, hamster, putain. Mais c'est magnifique, hein. Moi, je... Ça me rend heureux. Mais je crois pas que j'ai les... Si j'ai chien et chat, je pense que j'aurais des gamelles ou des trucs comme ça.
Ah ça, je peux pas écrire. Mais non, je les ai pas. Hein. J'ai pas tout ça. Hein. Non. Bon, et ben on va attribuer la chambre du haut à Thibaut et Summer. Voilà. Et Paul, tu auras ce lit là maintenant. Là c'est Johnson ici, là c'est Paul. Et là c'est Victor. Il n'y a pas la Victor, c'est pour ça. Elle a encore fait un tableau de merde, Berry. Tu nous fais chier. Mais 202$, je prends. C'est vrai qu'on aurait pu ajouter les chats de tout le monde. Mais bon, on peut pas tout avoir. Summer fait un peu connaissance avec tout le monde là maintenant qu'elle est arrivée. The samba. Putain, il se tape la plus belle des blondes là. J'ai loupé ça moi, mon Sims il a loupé ça. Oh non, mais ils sont trop potes, adorable. Attends, ouais. Johnson fait une sieste et après on va essayer de le faire pêcher aussi le Johnson. C'est son moment également, hein. Il a le droit de bouffer de la bonne bite. Ils ont des problèmes avec les douches, hein, les Simpsons. Réparé, voilà. Nush nush. Trade de Johnson. Johnson, il est comment au niveau du taf? Ah putain, il va pas pouvoir appeler son mec du coup. Aïe aïe aïe, putain, ça va être dur d'avoir la promotion là. Puis il va être crevé en plus pour aller au taf là. Putain, mais c'est dire que si on a un enfant, il va falloir mettre une chambre pour le chien là. Mon dieu. Attends, mais celle-là, ce sera la chambre d'adulte ici. On fera ça, on mettra le landau là. Oh là là, mais c'est dégueu, Berry. Concentre-toi, frère. Mon dieu. Merde de prendre de douche, putain. Mais c'est mon taré, gros. Faudrait que tu fasses des blagues. Enfin, faut que ce soit drôle. Allez. On garde la chaîne, sinon énergique. Regarde du sport, vas-y, regarde du sport. Paul, bien fait, hein. Tu les trouves? T'as vu? C'est vraiment lui. Franchement, il aime trop la bouffe, cet enculé. La blonde, bah c'est la meuf de Thibaut et elle est enceinte. Donc voilà, elle a emménagé quoi. Oh, il fait des pompes, c'est un baiser Thibaut. Ouais putain. Et toi, Victor, j'aimerais bien que tu reparles à la meuf qui t'a un peu, qui t'a fait un coup de sorcière, mais t'as pas pu la consommer, donc il te reste encore des cartouches à jouer, tu vois. Prendre une douche, mais mec, ils sont buggés de fou, ils veulent tous prendre des douches. Incontrôlable. Ok, bon bah Thibaut il est bien. Berry inspiré, mais putain, mais il faut qu'elle soit énergique. Ok, je sais ce qu'elle va faire. Elle va aller courir. Elle va faire du sport, Berry.
Ouais. Allez, vérifie. Putain, bah c'est une sportive, hein. Vous avez vu les mecs, hein. Comme à la montagne, hein. Ça se fait pas chier. Mais bien. C'est ça. Le sous-marin 1. Allez, on va lui proposer un rencard, les gars. Et cette fois, on va bien se débrouiller. Oh non. Oh non. Oh non. Oh, la sorcière, elle a refusé. Non, mais là, c'est trop. Mais elle est là, la pute. Hein. Eh, viens là, sale pute. Et voilà, chienne. Au pied. Voilà. Alors, voilà. Johnson est au boulot, les gars. Comédien, on rappelle. Ouais, c'est quoi ce M&M's? On dirait une pilule. Johnson savait bien que ce n'était pas une bonne idée de commencer son spectacle d'humour aussi tard. Le public commence à chahuter, il perd vite le contrôle de la situation. Il peut crier pour attirer son attention ou abandonner ce théâtre. Non, non, faut hurler dessus. Je vois tellement d'amis de faire ça. Il l'a pété! Waouh! Ça a marché, bravo. Le public est intéressé et même rit. Ce qui pousse Johnson à faire l'un des meilleurs spectacles de tous les temps. Bravo! Ok, Victor, t'es prêt? C'est ton moment. Putain, la salope. Mec, en vrai, t'allais trop la baiser, hein, normalement. Hein, à ton rendez-vous. Hein. T'as fait un date de baiser. Et là, elle veut plus du tout. C'est trop des putes, hein. Je viens d'être obligé d'aller au travail, je suis en retard. Oh là là, mec, t'es dans la merde. Hein. Chienne, vrai. Berry est toujours inspiré, la con. Non mais ah putain, y'a tout qui pète. Y'a des vidéos là. Il va être père de famille, hein, je rappelle, hein. Il a trop le seum. Oula, le classique. Mal à l'aise. Terriblement fatigué. Les sims se paresseux. Déteste toute activité. Même pour l'intégrer, on les épuise. Ah merde, j'ai fait faire du sport. J'aurais pas dû. Bon, on va devenir pote, elle, hein. Entre meufs. Mais casse-toi, putain! Elle me fait chier, elle! Mais il y a des chiottes au-dessus, sale pute!
Mais qu'est-ce qu'il prend lui? T'es en train de chier la conne. Mais non mais... Tout casse. Heureusement il y a Paul hein. Bon dieu. Il touche au-dessus là. Mais la touche est pétée au-dessus. Pas tous les repos ce jeu hein. Mais pourquoi pas de douche? Alors ça les gars. Les gars, David fait des pompes hein. De quoi Zayad? Mais gros, mais tout est cassé. On prend trop les couilles. Améliorer. Ah, voilà. Va réveiller ton homme là. Fais-toi tringler comme une chienne. Voilà. Ça fera pas mal au bébé, t'inquiète pas. Ouais, il veut trop. Même quand il veut dormir, il veut trop. Summer a appris les critères de partenariat de Crackhack de Thibaut. Ah, c'est quoi? Une femme? Ouais, bah voilà. Faut pas plus, hein. Ah, Victor essaie de faire manger, ça marche pas. Spoiler. Paul, est-ce que t'as réussi à faire le serveur? Elle se l'est prise celle-là. Hein. Comme il faut. Tu peux modifier des jeux vu que tu sais coder Victor, le classique. En train. Alarme. Vous voyez les gars, c'est ça l'amour. C'est trop mignon. Je mettais le setup puis pour la screen. Ah ouais, t'as mis les bras là, c'est bon. Envoie photo mec. Du mat, toujours pas au lit. Bravo. Il commence à quelle heure? Dans 4 heures. Eh, oh Victor, faut aller dormir hein. Oui mais il y en a qu'un qui a version, mais toujours pas revenu. Ah merde.
Le con. Alors lui... Mais il est bien, hein. Il va avoir sa promotion aussi, si côté il est comme ça, le type Zer. Ça, bah, on gelé. Il se réveille, Elsa. Elsa qui pue, ouais, c'est ça, va prendre une douche, Elsa. Elle est en colère. Il va faire quoi là? Préparer un repas gastronomique. Comment on fait? Ah bah voilà. Tiens, fais des pâtes à l'ail, le con. Pasta primavera, salade caprese. Pâtes à l'ail. Allez, pâtes à l'ail pour le groupe. Regarde Snap. Ok. Oh la haine qu'il a. Ouh, et bien. C'est trop lourd, hein. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Ah, c'est moi, il est heureux, voilà. Calme-toi, tu cuisines. Calme. Ah, elle est devenue amie Thibaut, Elsa. Obatosh, Brain Jew, Savar Buddha, Sparf, Pwipsalai, Spiffy Yibs, Spiffy Yibs, Glow, Zobe, Ponka, Inazorbs, Fever. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui? Elle est au travail. Mais c'est quoi son boulot? La vaisselle en chef. Oh, oh les sexistes. Elle est mal à l'aise parce qu'elle a la bébé dans la choune. Attends, mais toi, tu dois faire de la guitare. Les gars, David, roi de la guitare aujourd'hui. David. Marin, oui. Quoi? Je joue aux jeux vidéo, j'ai le droit, non? Je vais pas descendre. Hop, hop, hop. Rangle Piff. Il a faim, l'autre con. Non, mais lui, il doit pas être au boulot, lui. Oh, il est en retard. Une heure de retard, ça va, ça va, ça va, ça va. Et dépêche-toi, gros. Il va se faire défoncer. On dirait moi. Oui.
Regardez-les comme elle est malveillant. Baosu Orbe. Vopi Epinu. Moi la petite. Carpete. Stumse Galarga. La rencontre. Oh yes. Et il est quand même content lui hein. Il a pris une douche parce qu'ils sont buggés, ils veulent tout en prendre une douche. Voilà. Voilà, il est complètement con. J'ai détesté sa guitare. Ah, il aime pas la guitare. Ah, il doit faire de la guitare mais il aime pas ça. Très tendu. Passe un très mauvais moment. Il faut tuer quelqu'un. Victor crie du code à la vitesse de l'éclair lorsqu'il est soudainement transféré à un poste pour lequel il a aucune expérience. Mais attends, mais là on l'a vu tout à l'heure. Se débrouiller. Il est temps de se lancer et faire le travail, Victor. Bien sûr, cela pourrait prendre des journées ou des semaines plus longues pour rattraper le retard, mais sa responsable apprécie son sens de l'initiative. Même s'il ne paiera pas ses heures supplémentaires. Gain de performance moyen. Ok. Berry, savoir chaque coup de pinceau. Doit-elle annoncer la couleur et dire qu'elle aime la peinture? Bah oui. Oh, mon dieu, mais Berry, mais qu'est-ce que tu nous fais? Mais c'est dégueulasse, hein. Toi la surréaliste. Ok. Elle est con. Attends, mais il est gros lui aussi ce gros porc. Attends, quoi? Ah non, c'est son pull. Tu veux jouer les Sims 5, 4 pendant 5 heures, bravo! Gaming! C'est la vraie vie de gamer. C'est bon, Johnson, tu peux arrêter, Johnson, c'est bon. Prendre de l'eau. Quand il est énervé, Johnson, il prend de l'eau. Il bosse aussi lui. Ah, il bosse tard lui, 17h. Il Berry soit joueuse pour faire une peinture émouvante. Il a déjà mangé une platée de repas il y a 2 secondes, lui. Ah, il a trop la haine, 6 de pute. Ah, la folie furieuse aussi. Donc on reprend les douches là, voilà, il ressort direct, regardez, voilà. Parce qu'il est joueuse elle.
Toy Story, toi la con. On va spammer ça les refs. On va en faire une bonne. On en fait 10, allez tiens. Si j'en fais 10, ah bah y'a plus de place. C'est bien. Ouais, David, attends, mais je sais ce que tu veux faire, toi. Les jouer à Clash of Clans, fils de pute. Il est où? Ouais. Meilleure photo de tous les temps. Vous abonnez, on a découvert la prochaine. 368, bravo Elsa. Mathieu et Martin arrivent. Où Mathieu Martin? Il est là. Attends. Est-ce qu'on peut lui proposer un rencard? Raconte-lui des blagues, c'est ça que tu sais faire, David. T'es un gars drôle. Oh, le gros lourd, il rencontre là les blagues directement, quoi. Ok, je vais lui proposer un rencard, les gars. Yes. Quatre historiques, hein. Et ben, on doit choisir un truc là, le parc. La bibliothèque, la salle de sport ou le musée. Allez, le parc. Les amis. Monde vérité. Ok, alors, s'asseoir et parler à votre rencard. Et bah go. On va s'asseoir sur un banc. Ça fait mal les masques, Crado, hein. Ok, on plaisante. Oh non, mais ils sont trop mignons les refs, hein. Ingénieur hors pair, Victor, t'es le meilleur. Incroyable. Dragueux maintenant. Allez David. Tu passes la deuxième vitesse. Passe la vitesse supérieure. Oh oui David. Oh mon dieu. Warba quibs. So. Oh. 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 Oh.
Wibasyef. Waxa. Forni Fatoza Bab. Hanaklets. Pniops. Non, ils sont trop mignons, franchement. Ils vont trop bien ensemble. Le gros et le maigre. Ils se complètent, tu vois. Oh, Jarbin Dekor. Retna. Kalibna. Rek. Wadistabay. Genabo. Embrassez votre rancœur, il y a écrit. Se bâtir contre. Swobrif. Oui. Mais non. David. 31 rapprochements. Oh. Embrasse-le, David. J'ai jeté des mots doux. Crumpté, il a dit. Crumpté. Oh, ils sont vraiment gays, hein. Ils sont si gays. Oui, David a trouvé l'amour. Ça y est. Avec passion. Forni Fatoza Bab, Finoi Cho, Pniops, ah, Beps and Nicole. Je ne vais pas faire avec passion. Oh. Ils sont trop choux, franchement. Quand ça va enculer là, ça va être moins doux d'un coup. Hein. Ça va bien s'enculer là, le cul là. Alerte fatidique, hélas. Hein. Mais il n'y a que 4 gigas. Baiser passionné, ça y est, le rancard, il est réussi, hein. Tu peux un peu apprendre sur lui, genre. Qu'est-ce que t'aimes comme goût musical? Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'aimes bien les échecs? Est-ce que t'aimes bien... voilà, parlons des centres d'intérêt un peu. Apprends à le connaître, je sais pas. Il aime la musique des fêtes de fin d'année. Ah, il aime bien Maria Carré, ce fils de pute. Est-ce que ça m'étonne? Mais ta gueule, toi, t'es pas un peu trop là, grosse conne? Insulte-la. Ah, je suis trop mort.
mec qui est raciste, qui s'en cache même pas devant le gars, quoi. Oh oh. Attends, mais il serait en même temps, je suis mort. Oh, c'est vrai. Il va s'énerver, hein. Mais au moins il assume, c'est bien. Quel encart de légende, quelque chose de spécial vous attend dans l'inventaire de votre foyer, du foyer de votre team pour ne jamais oublier ce moment. C'est quoi? C'est l'inventaire de foyer. Attends, c'est là, je crois. Ouais. Attends, mais ça, c'est à moi là? Mais j'ai plein de PC en fait! Le jeu est bugué. Fake. Petit tirage. Ah, c'est une photo d'Elsa la conne. Lampe système solaire. Mais c'est où le souvenir des rancards? Ça va? Ça va? Ça va, Fabi Fab? Je fais toute la bande. Regarde, là c'est Thibaut. Ouais. Là c'est Elsa. Ok. Là c'est Johan. Ah, il y a Victor à côté. Ouais, Victor et Johan. Johan il est gay, il a trouvé un petit copain là, c'est bon. C'est qui avec le casque? Ça c'est la femme de Berry. De Thibaut, pardon. Elle est enceinte. Mais c'est qui hein? Ah, c'est juste une random. Ouais, c'est une random. Et là il y a Berry. Et y'a Paul aussi qui est là. Ah, pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi il a des lunettes comme ça? Ah, c'est parce qu'il est criminel, c'est sa tenue de taf. Il veut être ennemi public. Tu vois, Yann? C'est qui? C'est David qui a embrassé son amoureux. C'est qui? Johan. C'est un homme? Ouais, c'est un homme. C'est un homme. Ah, une poche. Toi, t'es où? Ouais, je suis pas encore là, j'en fais un. Toi, t'es pas encore là. Je fais petit à petit. Là, il manque Pierre et moi. Regarde, Thibaut, il veut trop la baiser, Berry. Le pire, c'est Victor, il veut baiser tout le monde. Mais il a baisé personne. Tu vois, il veut baiser Elsa, il veut baiser Berry, il veut baiser Nancy. Summer, il aimerait bien la faire aussi. Hein, hein? Vicieux, lui. Ok, bah top. On va louer un serveur à Minecraft, là. Ouais, ok, trop long. Bah, dépêchez-vous. Pour pouvoir jouer et continuer la partie. C'est pas chiant qu'il y a Vladimir et tout pour. Normalement, ça va le faire. Okay. Inch'Allah. Attends, on est informaticien quand même. Hein. Oui, bah, vous êtes informaticien. C'est un peu compliqué de savoir faire. Attends, c'était pourtant que c'était compliqué, nous, on a réussi à se connecter en deux secondes. Pour Pierre. Sale con, ouais. Allez, vas-y. Je suis vacciné aujourd'hui, moi, c'est tout à l'heure, j'ai envie de vacciner, moi. Bravo, tu t'es fait vacciner de quoi? Du bol, j'ai oublié 25 ans. Ah bah, ok. Bah, ça fait mal? Non. Je vais aller faire la pharmacie pour pas retourner chez le médecin. C'est un serveur fait exprès, il n'y a pas le feu. Ah, c'est un serveur exprès avec le mode installé. Ah ouais, ok, trop bien. Donc j'ai regardé, je sais pas, quand c'était en vaccin, il est comme ça, mon bras. Je regardais. Oh, coucou Isis! T'as vu, ils t'ont réinstallé? Ouais. Tu veux un popcorn? Oui. Non, faut installer le modpack, mais c'est prévu pour. Oh, je comprends rien à son truc. Mais ramasse les poubelles, Thibaut, connard! Ouais. Ils sont trop bons, mais j'en ai mangé trop là, faut que j'arrête, je vais me faire mal aux dents.
Mais pourquoi elle est habillée comme ça? Elle est dégueulasse. J'ai fait une prise de sang ce matin. Putain, mais c'était la journée ouais, santé là. Regarde, tu vois, elle a un bébé dans le ventre. Je pense que c'est pour bientôt le bébé. Hein. Elle va bientôt mettre bas. Hein. Si je fais ça, admirer, ça la rend juste peut-être. Elle peut pas. Ah là, alors attends, joue aux jeux vidéo, Berry. Jouer Big Block avec mode. Ah, il a installé des modes du coup, Victor, sur le Big Block. Ma moquette. C'est beaucoup. Oh, t'as trop de cholestérol. C'est dire que tu manges pas bien. Mais après là, c'est, faut dire le week-end là que t'as passé, c'est pas le bon moment quoi. J'ai pas d'hépatite B, j'ai pas d'hépatite C, j'ai pas de VIH. Ah non! Par contre, j'ai la syphilis. Ah, ça va alors. Non, je rigole, je vais pas. Rien du tout. Ouais, fais-toi là. Je me ferai au prochain épisode, au prochain live. Non, prochain live c'est Pierre, après c'est moi. Tu es en live encore? Ouais, je suis en live. T'as mis ta cam? Non. Pourquoi? Bon, la flemme. Je me sentais pas là. Putain, c'est encore cassé. Paul va réparer. Putain, mais Paul il veut faire l'amour à Berry, je crois. Il fait que lui parler. Il connaît à peine Victor, mais Berry, bizarrement, il la connaît bien. Tiens, prends-les, va les mettre dans la cuisine. Non mais je veux plus qu'ils soient là. Ok, je vais les mettre là-bas. Question de vie ou de mort. Quoi? Dans là? Ouais. Tu veux mettre quoi dedans? Bah, tous les trucs d'Halloween et tout, ce serait bien de virer de l'appart. Ouais, c'est pas con ça. C'est pas con, hein, pour gagner de la place. Est-ce qu'elle est joueuse maintenant, Berry? Mais pourquoi elle devient jamais joueuse? Faut s'arrêter là avant un moment. Madame, t'es sûr que tu es pas trop là dans mon bras? Vous aimez tuer là? Et elle m'a dit, on va s'en rendre comme dans du beurre. Brink of Int, Fina Ifl Imb. Wesh! Quoi? Berry, elle a foutu un vent à Victor. Il est trop laid, regarde. Regarde, elle gueule dessus. Elle est en colère. Conversation aggravante, vous êtes en colère, c'était une conversation désagréable. Pourquoi t'as fait Berry et t'as pas fait Pierre? Parce que j'ai dit chacun petit à petit. Non mais
C'est-à-dire que tu verrais, elle se tape d'autres gens. Ouais, je trouvais ça drôle. Mais là, elle a baisé personne pour le moment. Je la réserve à Pierre. Sinon, après, il va s'énerver. Paul, faut qu'il insulte des gens. C'est ça. Il doit faire des interactions malicieuses. C'est des trucs malicieux quand on insulte des gens. Ouais. Voilà, regarde elle. Oh putain, c'est la meuf de Victor. Oh, merde, il est au boulot. Vas-y. Mais il est au boulot, il était chez lui là. Il est parti là, regarde, il est au taf. Vas-y, insulte-la. Ensuite, tu vas lui faire de donner de fausses mauvaises nouvelles, inviter à une fausse soirée, mentir sur la carrière, lancer une rumeur grotesque. Voilà. Prétendre être un génie criminel. Voilà. Jeter une boisson. Allez. Exactement, mais c'est son rêve. Hein. Il va être peu apprécié par 4 Sims. Donc là, ça va être la 4ème, c'est parfait. L'enculé, il vient dans la rue et Diet il est des trucs sur la gueule. Attends, déjà je vais lui mettre une bonne baffe et après je vais me battre. Ah, c'est bon! Elle aime plus, elle aime pas. Il faut qu'il ait un ennemi déclaré maintenant. Participer à 5 bagarres. Oh putain, tu vois, elle est trop forte. Vas-y, allez. Ah, oh, c'est bon, ils se battent. Allez, allez Paul, deuxième combat. Oh, 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 ah non, oh, il est trop nul. Allez Paul, allez Paul. Oh, après elle fait du sport et tout, elle doit être trop forte. Oh, oh. Oh, il a gagné. Triomphant, bravo. Nancy et Paul se détestent. Bravo. Je pense que c'est son ennemi numéro 1. Hein. Ennemi juré, oh oui. Oh, qui reviennent pas ici. Hein. Reviennent pas dans notre quartier. Ça a te soulevé. Oh, il va se coucher. Thibaut. Oh putain, c'est encore cassé. Ça. Je sais pas, ils ont tous un bug, ils veulent tout le temps prendre des douches, mais genre tu vois, il est full hygiène, il est déjà propre. Il va sortir direct. Voilà. Le frigo, il est pas en forme. Hein. Ouais, il va réparer. Ça répare bien là. Hein. Pourquoi il fait la gueule? C'est qui? C'est John. Pourquoi il est toi tout John? C'est la petite salope. Est-ce qu'il peut commander des pizzas? Appeler les pompiers. Commander une livraison. Oui. Pizza au bacon canadien, pizza pepperoni. Qu'est-ce que mon grain de pignac qui vont pignac? Avec supplément pepperoni. Ellie veut devenir humoriste, David. Il prend une douche, voilà, vu qu'il est bugué. Oula, lui il est pas de la jaquette, lui. S'il en est pas, lui, bah hein. C'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il a, effrayé? Qu'est-ce qu'il a vu? Peur qu'il monte, à part de la mort. Oh, il a failli se faire électrocuter par le frigo, je pense. Il se cache en boule. Ouh, le PD. Il faut une douche. En fait, mais c'est juste qu'il est hyper, il est hypochondriaque, je pense. Et il est hyper maniaque, du coup, c'est pour ça qu'il nettoie tout et qu'il prend des douches. Mais ils sont tous, ils font tout ça, donc je pense pas. La mort est inéluctable, Thibaut le sait. Thibaut ne pensait juste pas qu'il y penserait aussitôt. Il y a encore tant de choses à faire. Oh, il a failli mourir, Thibaut. Oh, j'aurais trop aimé qu'il crève. Ça aurait été trop drôle. Summer peut désormais prendre un congé pour raison familiale. Ah. Monsieur Eba. Ah, les frères. Ils sont frères, je crois. Elle va mettre un enfant au monde, là, Summer, là. Putain, mais il a chié à côté du frigo, du coup, là. Oh putain, attends ça, hop, je vais le faire. Tac. Ah, Beryl a pris l'idée Elsa.
Ça c'est l'Idderi ça. Lit le shard. Ça lui apprendra. Et du coup elle va faire la sieste. Oh les pizzas. Il prend une douche, fils de pute. Non mais j'ai pété un câble. Regarde la démarche qu'il a, David. C'est pas lui qui a, si c'est lui qui a commandé. Mais il est complètement pédé. Il est pédé et raciste. C'est vrai, il est raciste. Ouais. Ah, c'est un noir qui a touché ma pire. Quand il draguait son amoureux gay, il y a une noire qui est venue lui parler et il l'a insulté. C'est toi qui l'as fait insulter. Je sais pas ça. Bon, elle me saoule. Elle. C'est fini ça? Putain. Tout le monde dort, gros. Il a contemplé son livre. Alors ça c'est bon ça. Comédie, écrire des blagues. Ah il peut écrire un sketch. Il va te bosser lui, hein. On travaille dans 2 heures. Ok. Cauchemar, Thibaut a fait un cauchemar. Il peut encore prendre une douche. Il est en colère. Shwenji Barcelay Pinte. Ah. Infal. Ah, Tafuni. Non mais frère, c'est une folie furieuse. Ok, donc là, il faut vraiment qu'elle soit joueuse. Donc pour ça, il faudrait qu'elle regarde la comédie. Allez, s'il te plaît, fais que ça marche. J'ai juste besoin d'une seule peinture et après. Oh, tu m'as rendu ma journée tellement bien plus belle. Merci de m'avoir fait sourire. Elle est joueuse, c'est bon. Ok, go. Je pourrais enfin faire son dernier achievement. Toi, l'enjeu. Voilà, go. Ouh là, mais ça gagne plein de thunes là. Traiteur, Thibaut est traiteur. Non, Summer est traiteuse. Summer, tu peux prendre des jours de congé, je pense, hein, c'est bon. Thibaut aussi, hein, il va faire ça. Quoi? C'est pour Victor. Ok. Oh mec, il faut ça en vrai, nous aussi. Hein. Désolé, mais c'est trop bien. Et ça va, enfin, Summer va avoir un enfant là, hein. C'est très imminent là. Wesh! Oh, on dirait David qui dort! Wesh! Mais t'as un amoureux déjà toi! Il va se faire enculer! Voilà. Alors, contempler, admirer 3 toiles dans un musée. Terminer 10 toiles excellentes. Ok. Thibaut, t'es encore en train de dormir? Vas-y. Va préparer à manger, mon frère. Ça va cuisiner avec Berry. Et fait des... Soupe ou boulette de mazzo. C'est quoi le mazzo?
Spaghetti. Allez, hâte. Beryl est tout le temps en peignoir, c'est honteux. Regardez-le comment il est trop fort. Sûr, y a pas le con qui fait du jogging là. Du jogginga. Fais pas du jogging. Moi j'y crois encore. Hein. C'est qui elle? Oh Fenosa. Wow. Mais il pue. Usna Zarspa. They know to pull my. On va pas prendre une douche. Oh putain. Il y a une deuxième meuf qui est super belle. Sibawum Florib. Wes Brainham. Oh, Rissala Kumbar. Attends, dérive. Ah, tout le monde mange. Oh mon dieu. Il va avoir les Sizers là. Je vis pour ça moi. Oopla? Moopy? Seiza Shabot? Bifna? Oh, Yabahorn! No stab! Oh, yibs! Shisna? Dopeya! Kanabi? Yifla Wanor? Kuh! Yaganana? Yatona Melva? Viva Batintu Oz! Fubanya Moogs? Bored. Oui, c'est bon. Allez. Allez, on peut rattraper ça, les gars. Faut juste être. Elle est enjeuleuse déjà. Elle va être. Elle va clairement être réceptive de si je fais ça. Bobsel, Chichi, Hish, Bipsa, Lagouche. Quoi, le bruit de. Et David, il est à poil, fils de pute. Il fait ça. Elle sort des poubelles tout nues. C'est pas si mal. Et ben voilà, il s'assume complètement là. Pourquoi tu dors, sale enculé? T'aurais pu la baiser. Sale con. Eh, il se passe n'importe quoi là. Oh, il est lourd, putain! Oh non, 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 putain, mais trop dur à draguer là. Vas-y les gars, je vais la farmer. Mais arrête David, t'es tout nu. Mais non, mais il nous fait chier.
Mais je sais pas ce que. Bon, en tous les cas, merde, mais putain, mais c'est pas la bonne. Non mais casse-toi, Berry, pitié, Berry, casse-toi. Eh, c'est trop dur, hein. Franchement, c'est trop dur. Allez, détendez-vous ensemble, pitié, 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 pitié. Mais non, mais pas toi, Berry, casse-toi! Quelle lourde. Tu vois pas qu'il est en train de... Attends, attends, attends. Ce soir ensemble. Non mais, Je fais tout pour Victor, mais j'y arrive pas. Assieds-toi, pitié, assieds-toi. Ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Elle va voir ce qu'elle va voir celle-là. Hein. Quand même, mais pas des monstres. Elle est partie, elle est où? Qu'est-ce qu'il fait? Oui, si. Mais casse-toi, mais... Mais il veut trop dormir, Victor. Oh, mais il est mort. Attends, mais vas-y, Victor, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Fais un dernier effort, Victor. Un dernier effort, Victor! Oui, 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 oui. Vas-y Victor, score, score. Ah oui. Oui, 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 oula, c'est parce que... Allez, chacun son tour, vous inquiétez pas. Vous bousculez pas, il y en aura pour tout le monde. Oula, oula, tenue de... Mes amis, ça y est. Il va s'endormir pendant le sexe, mais ça y est. Il get laid. T'as vu, la lingerie, elle est... Elle est violette, hein. La wingman avec Grogu à côté qui vous veille sur l'amour. Et ben il apprend, hein. Il lui fait du mal, hein. Oh, il se réveille. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va discuter avec Thibaut? Oh, je l'ai enculé, la salope. La salope. Quoi? 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 Ah, le premier réflexe c'est d'embrasser les mains de Thibaut en ayant blessé. Wesh? Wesh? Ah!
Mais non, mais c'est n'importe quoi ce qui se passe là. Ah, mais va t'excuser auprès de my boo là. Le trouve à la haine, frère. En fait, tu veux que ce soit ta petite amie, Jagger, tu me dis. Et je le fais. On verra ça plus tard. Là, faut dormir maintenant. Mais là, il s'est passé quoi avec Thibaut, là? Wesh. Oui, femme à marier. Eh ben, tu m'étonnes, regarde ça. En plus, elle fait le ménage. En sous-vêtements. Eh bien, en lingerie, elle sait faire. Berry, quant à elle, j'aimerais bien la... qu'elle fasse avec une femme. Tu n'as rien entendu. Mais Thibaut, ça sert à rien de passer. Mais tout est... Ça va faire beaucoup de Sims, hein, si tout le monde a une petite amie ou quoi que ce soit, là. Relation. Qu'est-ce qu'il y a avec Berry? Sentiment de Thibaut envers Berry, cuisine ensemble. Ah, on peut voir les sentiments? Attends. Alors, info entre Victor et Thibaut. Intérêt réciproque. C'est un peu trop tôt pour se prononcer, mais il pourrait bien y avoir quelque chose entre ces deux Sims. J'ai tout dit. Et... Tourtereau. Relation extraterrestre connue? Quoi? Attends, tu es en train de me dire que Mathieu est un extraterrestre? Alors ça, c'est un bon twist, ça. C'est peut-être pour ça qu'il était tout nu la dernière fois. Je sais pas si t'as vu Pierre, mais il s'est baladé tout nu dans la maison, David. Il pue trop pas cet enculé. Il pue la merde. Ah, c'est la quoi elle? J'ai vu David lui. Ah, let's get it. Let's get down to business. Doudoudoum. Oh, les deux blondes. Les deux bombes latinas là. Attends, du coup, toi. Non, pars pas. Je t'aime. Milady, l'amour que je vous porte est si fort. Oh. Oui! Elle en a deux gros, hein. Oh. Mesdames et messieurs, zaïe! Oh là 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 là, la gourmande. Un gros sec. Ça me casse les couilles, cette chaîne de merde. Il y a le basket, Thibaut. Il s'en bat les couilles. Eh bien. Elle accouche quand elle? Il faudra faire une chambre pour le... Ouais, faudrait qu'on déplace toutes les chambres et tout, c'est trop chiant quand il y aura le bébé. Est-ce qu'il n'y a pas de place pour un berceau? À part si je le mets là, peut-être. Ou là. Ouais, il y aura la place, peut-être. Dans leur chambre. Ah, mais un enfant, c'est tellement chiant à gérer. Faudrait que vous m'aidiez pour trouver le nom. Hein.
Nouvelle maison. Ouais, sinon, hein. Mais quoi, elle est encore là, elle? Ah, c'est bon, elle a aménagé, elle aussi. Ah. Elle pleure? Elle pleure? Oh, non, me dis pas que c'est Thibaut qui l'a touché, quand même. Oh, non, Thibaut l'a touché. Ça, c'est sûr. Oh, mais c'est son ennemi, elle. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Oh, vas-y. Déclaré comme ennemi. Il aime pas ta meuf, Victor. Quel enculé. On changera de maison au prochain épisode quand il y aura Pierre. Elsa travaille dans une heure. Ok, et où Elsa? Elle dort. Vas-y, avant d'aller bosser, tu vas me faire des stories encore. Parce que je compte bien qu'elle soit influenceuse, elle. On lui fera changer de boulot après. Sans ses abonnés, c'est pas mal, hein. Oh non, la pauvre, elle est triste parce que Paul est un harceleur. Ça change. Et aller au boulot. Qui c'est qui doit bosser aussi? C'est Victor, non? Putain, il est en retard. Il va se pisser dessus en plus, le con. Bah, s'en va l'autre. Au revoir. Et bah, putain. Une belle relation qui commence, hein, moi je vous le dis, hein. Voilà, ça dort jusqu'à 10h là, ça y est. Ils sont tous déréglés. Sauf une seule personne. David. Qui va inviter quelqu'un à venir sur le terrain. C'est ça qui a une couleur de peau bizarre un peu, non? Vous en pensez quoi? C'est au tour de David, les amis. Yes, yes, yes. Easy court, hein. 10h du mat. Ça vient pour se faire laver le trou du cul. En vitesse. Ils vont le faire dans quel lit, vous pensez? Dans le lit à baise au fond, hein. Oh non, dans le lit d'Elsa! À côté de Berry! Oh, les enculés! Oh, les bâtards! Mais non! Mais non, le cauchemar! Oh, la scène de... Oh, la scène horrible! Oh, les bruits qu'elle doit entendre, la pauvre. Ah, ils rigolent bien les deux, hein. Les deux petits... Les petits coquinous, là. Ça a pris le trou du cul, là. Ça a tout mangé. Attends, mais réveille-la maintenant que t'as fini. C'est bon, on a baisé, tu peux te réveiller. À
Après avoir fait l'amour, faut souvent faire des omelettes, je crois. Toast avec des œufs, c'est parfait. Ah, Thibaut est énervé. Ça change. Ah putain de merde. Lire un livre, ça me détonnerait. En colère. Rêver difficile. Ne jamais réveiller un sim paresseuse. Jamais. Ah merde. Alors ça, je m'y attendais pas. Ah, trop la haine du coup. Oh oh. Elle va mettre au monde. Johnson a vu la full feu. Mais quel con. Mais quel con. Mais elle est en train d'avoir un bébé. Ouais, crève David, crève enculé. Oh non, il est pas mort. Oh non. Avoir bébé à l'hôpital. C'est parti. C'est parti les amis. Thibaut va être papa. Tu as de rebondissements dans cet épisode hein. C'est où? Pourquoi il va manger un sandwich mais il va donner. Mais pourquoi il a peur lui? Panique préparentale. Mais c'est un imbécile toi, il va parler tout seul au miroir. Acheter un encas. Non mais c'est très grave hein. Ce fils de pute de Thibaut, il va même pas voir sa femme. Si elle va toute seule se faire accoucher la choune. Il va faire à manger. Non mais gros. Il a la dalle. Qu'est-ce qu'il fait? Oula. Elle met du jus dedans. Bravo. C'est une fille. Comment il l'appelle les gars? Comment on appelle la fille de Thibaut? Mélodie, ouais, ça tombe sous le sens, ouais. Ah, je peux pas écrire, c'est vrai? Non, FF! J'arrive pas à écrire, c'est vrai! J'arrive plus à effacer, c'est trop chelou! Est-ce qu'avec le clavier virtuel ça marche? Ça marche même pas avec ça quoi. Ah si. Non ça marche pas. C'est full buggé. Putain en plus j'ai pas sauvegardé quoi. Oh non. Caroline, Manon, Cécile, Emma. Ça ira. Chantal, Céline, Nathalie. Oh non mais on doit choisir un nom au pif. Charlotte. Elsa. Louise. Putain mais il y a tous les noms de... Certaines antagonistes, quoi. Elodie, ça sera pas jamais Elodie. Louise Bélanger, bah ouais.
Allez, sur Louise et on balance Louise. Fais attention, la pute. Attends, mais là, ça doit être Miei, normalement. Putain, frère. Oh, mais FF. Mais gros, il avait même pas le nom de ses parents, quoi. Louise, merci, comme Lorraine. Dieu qui donne. Y'a pas l'insert qui t'empêche d'écrire sur le clavier. Ah, insert. Je sais pas. Le arrêt des fils. Bah écoute, là c'est trop tard. C'est pour ça que Paul s'appelle Paul Blanc d'ailleurs. Mais c'est pas mal. Louise Mercier, c'est bien en vrai, c'est RP. Hein. Le médecin a préparé le certificat de naissance. Ok, ça y est. On a un nouvel enfant. On est un foyer de 8 personnes. Hein. Ça ne s'arrêtera jamais. Ça devient quoi le serveur là, frère? On attend depuis 1000 ans, gros. Ça en est où? Ok, le bébé est là. Ah, il y a un petit landau. Bon, alors. Hop, dans la chambre des parents. Alors. Comment ça marche un bébé? Putain, mais des fois j'ai des drops d'FPS, frère. Je sais pas pourquoi, c'est quand je switch de mode. Mais pourquoi il fait ça, Thibaut, à courir partout là? Ah, ça devient un peu incontrôlable tous les Sims, ça. Il est dégueulasse, hein. Serré dans ses bras. Regardez, les gars, on va voir l'une des plus belles images de cet épisode. Thibaut est père de famille, il a plein de responsabilités, du coup, hein, évidemment. Hein. Mais il est prêt à les assumer, parce que c'est son devoir. C'est beau. L'amour d'un père pour sa fille. Tu seras une belle salope à bite, hein. Oh là là. Magnifique. Et c'est sur ces images là qu'on va arrêter cet épisode, les amis. Je pense que ça fait déjà pas mal de temps que je joue. Magnifique. Ah, 2h45, putain, la session de fou. Allez. La suite au prochain numéro avec l'arrivée d'un nouveau protagoniste. Ou antagoniste, là, on peut se poser la question. Allez, bisous.